Une pépite d'or et qu'on voit ce qu'on peut en faire si quelqu'un la veut, la revend, ou quelqu'un autour. Si, faut voir. Aziz, t'as une idée? Ouais, faudrait voir. Hein. Ouais. Non, mais pour la pépite d'or. T'as sorti quelque chose du four, toi? Bah. Eh, oubliez pas, hein. On est d'accord pendant le dortoir, l'autre là. Pardon. Ouais. Comment ça? On parle de quoi? Bah, on parle de celui qu'on va foutre dans le dortoir. Chut, qui ça? Bobby. Ouais. Et si j'ai ce qu'il faut là. Et l'autre, faut l'attraper là. Et le Brandon Champub, qu'est-ce qu'il fait là encore là? Je sais pas, il est en train de sucer comme d'habitude. Ah putain. Ouais, comme d'hab. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Hein? Oh, merde. Vous voulez voir notre buteur? Ah oui. Regardez l'autre là, regardez ce qu'il fait là. Eh, tu fais quoi toi? Qu'est-ce que tu fais? Descends. Mais attends, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Descends. Mais c'est bizarre, hein. Wesh. Je savais même pas que j'avais la capacité humaine de monter là-haut. Ouais, ça va, bâtard. C'est quoi? Bah, je sais pas. Mais pourquoi tu es caché sur toi pour partir le soir? Ah, toi, t'es malin, toi. Je vais dormir sur toi. Pas rentrer. Qu'est-ce que tu fais? Bien joué. On se cache pour sortir. Eh, Kirby, je t'en supplie, sois plus discrète, c'est un truc de fou aussi. Tu fais briller de fou. Mais tu peux pas rejoindre en courant sur le toit et faire voir les gars, qu'est-ce qu'il y a comme ça? C'est un truc de fou. Yo les bots. Oh, la discrétion. Et alors? Mais alors quoi? C'est bon, man, t'abuses. Regardez, il fait quoi? Qui? Il va peut-être demander là. C'est la prof là. Je sais pas, tu sais, il drague la prof d'un mois, c'est un baiser. Ouais, il a une rose en plus. Et par contre, c'est vrai que genre, tu l'as en train de se faire virer ou pas? Quoi? Ouais, je sais pas, apparemment, ouais. Attends, on va voir. Qui a failli se faire virer? Qui ça? Ça va juste après. Pardon? Du coup, il s'est fait virer? Il a agressé la professeure d'art plastique. Qui s'est fait virer? C'est Joshua là, il est renvoyé à. C'est une exclusion. Pour l'instant, rien à péter, j'ai jamais su qui c'était ce bâtard. Vous êtes un beau couple, vous deux. Ça va, Tahiti Bob? C'est un mec, Kirby, monsieur le directeur. Non, en fait, un très beau couple. J'étais jeune aussi, vous savez. Les amoureux, vous avez fait votre visite? Tahiti Bob, calme-toi. On n'a pas fait. Putain de merde. Dépêchez-vous, sinon pas de Japon. Ouais. Oh putain, pardon. Alors, ma petite fleur des îles, on fait un beau couple. Vas-y, arrête-toi, fous-moi la paix. Et mais qu'est-ce que t'as contre moi? J'ai rien, je suis encore énervé, t'as vu? Eh, tu vas te calmer, ma petite fleur des îles. Arrête. Tu vois, c'est ça qui m'énerve, tu vois. Quoi? Jules, je suis énervé, laissez-moi dans ma bulle. Je suis là pour toi, ma petite fleur des îles. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis comme Diam, si tu me laisses dans ma bulle. Il a dit, on fait un beau couple. Et toi, c'est. On fait un beau couple. Et toi, vas-y, toi, le seul truc que tu veux bouffer, c'est des escalopes, fous-moi la paix. Eh, franchement, tu m'attires. Arrête, t'es con. Vas-y. Ça va être ton tour dans pas longtemps, t'inquiète pas. Merci. Eh, tu veux t'asseoir à côté? Je suis tout seul, miskin. Vas-y, je suis avec toi, si tu veux. Il veut quoi, Bilbon le Hobbit? Non, c'est bon, il est parti. Qui ça, le concierge? Ouais. Pourquoi le Hobbit? Bah, parce qu'il a une teuté, c'est un truc de fou. Waouh, tu juges le physique des gens, t'es comme ça? Non, je suis pas comme ça, mais moi, dans 10 ans, je suis plus là. Ah ouais, t'es où? Je suis dead. Ah, tu penses que t'es dead? T'as quel âge? T'as 15 ans? Je sais pas, mais non, j'ai 17 ans, t'as vu, mais. À 27 ans, ça y est, c'est fini, fin de carrière? Bah, bien sûr, on est en Amérique, hein. Et alors, on est au Moyen-Âge, on meurt pas à 17 ans? Ouais, enfin, mais moi, niveau études, ça va être compliqué, hein. Je vais pas être Elon Musk. Et toi, ça te va, surveillante, en vrai? Dis la vérité. Franchement, bah, à la base, ça me plaît de ouf, tu vois, parce que la relation avec les autres, c'est improuvable. Et baby girl. Vous avez quel âge, madame la surveillante? 25. 25 ans, ouais, c'est pas une vie, surveillant, hein. Eh bah, dans ces conditions-là, ouais, t'es en train de la draguer. C'est Pio Bro bégaye, elle est en train de discuter normalement. Tu la dragues, là. Mais non, mais j'avoue, t'as lâché un rap comme un cheval et cousine, c'est difficile de fou. Et ouais, man, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. C'est quand vous faites un son, là, les élèves? Vous voulez pas faire un son? On en fera un avec le prof, là, apparemment. Non, je vais rien faire du tout, moi, je suis... Je suis comme Véronique, moi je suis Sanson, y'a rien du tout qui sortira de moi. Ah ouais, Sanson. Ah ouais, c'est carré.
Ouais. J'adore les blagues. Ah ouais, donc ça, tu vois, ça essaie de pêcher des. Mais de quoi maintenant. Mais je peux parler à madame la surveillante. Elle, elle a toujours été gentille avec moi, tu vois, tranquille. Oh, bah oui. Putain, c'est mignon. Bah non, hey, mais moi, je suis pas Bobby, je sais pas quoi là. Moi, j'essaye pas de pêcher tout ce qui bouge, hein, tranquille. Hein. Ouais, discuter, c'est pas forcément pêcho. Hein. Voilà, merci madame, merci. J'espère, hein. Alors, bah ouais. Parce que là, pourquoi tu me parles toutes les nuits avant de dormir? C'est que tu veux me pêcher alors? Quoi? Kirby? Bah, elle. Ça bah, elle, tous les nuits, elle m'appelle, elle dit, ouais, j'ai du mal à dormir et tout. Je parle à tout le monde toute la nuit. Non mais... Non, hier soir c'était pas que tout le monde, hein. Eh, hey, moi je vais vous le dire, hein, Kirby, tout ce qui a une escalope, ouais. Elle bouffe, hein. Bon, y'a pas que. Comment ça y'a pas que, Kirby? Jure, t'es open space. Quoi? Ouais, je suis open space. Mais attends, attends, mais c'est nouveau, tu fais des réorientations sexuelles, toi? C'est depuis que je traîne avec toi. Vas-y, arrête, Kirby, arrête, non, là, tu joues un jeu de gangster. Quoi? Shit. Arrête tes conneries, Kirby. Oh, on accepte tout, on accepte tout en soi. Mais non, mais depuis que je traîne avec toi, je suis tombé amoureux de moi. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries, je vais rougir. Eh, vas-y, elle est où l'infirmière là? Amenez l'infirmière là. Il a pas l'habitude, regarde. Vas-y, mais hé, Kirby. Non, mais tu sais que je t'aime bien. Mais je sais, mais tu pourrais. Tu parles comme mon daron. Mais tu. Arrête, tu parles comme mon daron, je peux pas. Kirby, laisse-moi tranquille. Quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben rien, tu parles comme mon daron. Faut que tu prennes une autre voix, c'est ça? Non, vas-y, tranquille. Vas-y, arrête. Tu m'attires, putain. Putain, vraiment, il casse les couilles, hein, c'est une gamine. En tout cas, t'as fait de l'effet, hein, je vois, t'es tout rouge là, t'es tout red. Ouais, mais parce que t'as vu, moi je suis pas un poétique lover. T'as pas l'habitude, ouais. Voilà. T'es pas un donjon. Ouais, c'est ça, moi je suis à l'école, tranquille, t'as vu, on est là pour écoler. Pour écoler. Voilà, l'école. Pour sculpturer. Carré, de fou. Ouais, j'ai capté. Bah oui. Mais c'est dommage, parce qu'après faire du copain-copine, s'il y a moyen, on pine en soi. Ouais, mais t'as vu. Ça fait partie de votre. Vas-y, on parle de Kirby, Miskin. Elle ressemble à un camionneur. Non, mais Kirby, c'est mauvais exemple. Ah ouais, elle ressemble au mec qui délivre le courrier tous les matins, ce bâtard là. Je peux rien. Ah, elle a son charme. Je peux rien faire. Son charme. Encore, tu vois, l'infirmière, je dis pas, t'as vu. La fameuse allergie charismatique. Ouais, ça bouge de tous les côtés. Je vois flou à chaque fois. Hein. Ouais, clairement, oui, ça, encore, ça se comprend. Mais ça, c'est pas humain, hein. Ça, je te le dis. C'est les hormones. Il y a des trucs bizarres. Hein. Mais si, elle est totalement humaine, je vois pas. Ah, je sais pas, hein. C'est pas quand tu parles. Hein. Ça bouge à des endroits, ça doit pas bouger normalement. Ouais, elle a juste pas mis de soutif, c'est tout. Je m'y connais. Ah, d'accord, ok, vas-y, carré alors. Aïe, ouais, ça va ou quoi? Il a quoi, la Rousseau là? Il s'est tordu les chouilles. Ça va, ma petite fleur des îles. Eh, arrête, et toi tu t'assois juste, tu fermes ta gueule. Les fleurs des îles. Eh, t'as quoi le nain de jardin là? Tu me casses les couilles là avec tes fleurs des îles à la con aussi, toi. Dis-moi. Mais ouais, t'es habillé comme le Père Noël, tu veux quoi, mon ref? Oh. Eh, t'as quel âge pour croire au Père Noël, toi? Tu vas à l'infirmerie, t'es blessé? Bah, attends, t'es professeur, toi? Il attend pour sa visite. Eh, hey, t'as déjà fait la visite? T'as déjà vu l'infirmière? Ouais, j'ai vu l'infirmière, elle est carrée de fou. C'est un truc de fou. Attends, t'es amoureux? Non, mais à un moment, elle a fait me crever un œil avec un de ses nichons. Elle s'est retournée et elle m'a assommé presque. Je peux te poser une question? Oui. T'as quel âge, mon ref? J'ai 17. Et toi? Non, mais c'est impossible à 17 ans d'avoir des. Tu vois? Des quoi? Là. T'as. Là, quoi? Là, ta tête. Bon, merci, je fais plus vieux alors, c'est ça? Ouais, un peu. Ouais. Genre 15-20, pas plus. 15-20? Voilà. 15-20 ans de plus? Ouais, carré. Ah, d'accord. T'as l'air de vouloir. Vouloir? Vouloir quoi? Faire plus vieux. Non, pas du tout. Pourquoi t'as la bougeotte là? Qu'est-ce qui se passe là? Mais quoi, j'ai la bougeotte de quoi? J'ai un peu mal aux chevilles. Mais non, mais tu bouges les jambes là, qu'est-ce qui se passe, mon ref? Je suis nerveux, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit que j'étais hyper avide, hyper amide. Ouais, non. Mais tu craches de fou. Hyper. Vas-y, on va louper la réunion, viens. Comment on dit? Allez, mettez-vous en rang, s'il vous plaît, correctement, tout le monde. Francis, ça vous a aidé à l'infirmerie ou pas? Attendez, c'est les malmises, c'est bien la fièvre. J'ai demandé tout le monde en rang, s'il vous plaît. Hey, mettez-vous en rang là, putain. C'est mieux qu'on masse. Oh là là, vas-y. Ouais. Vas-y, Jean-Charles. Ah ouais. Jean-Charles, tu veux un coup de main? Non. Peut-être. Information très importante. Et attention. Ah, vous avez eu l'exemple qui vient de se dérouler à l'instant avec Joshua. Vous l'avez vu partir avec sa valise.
Il a été exclu de l'école pour agression et des faits graves. Let's go. Ganesh va s'occuper, accompagné de l'intégralité des surveillants. C'est qui, Joshua ? De la fouille de vos dortoirs et une fouille personnelle, d'accord ? Vous allez donc suivre Ganesh et l'intégralité des surveillants dans vos dortoirs. Vous allez rentrer dans vos chambres et attendre que chaque surveillant passe pour vous fouiller. Tout élève qui va commencer à se balader, à essayer de ruser, à vouloir aller aux toilettes, etc. Ganesh et exclusion temporaire immédiate. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, c'est toujours le même. Donc les professeurs, si vous pouvez peut-être aider, je pense que ce serait pas... Je suis mort. D'accord ? Je viens avec vous, je vais y aller rapidement. Monsieur le directeur, je peux faire ma réunion infirmerie, s'il vous plaît ? À l'infirmerie. Bien dit, on va vous attendez dans les dortoirs. Sinon, je vais pas pouvoir aller à ce putain de... Monsieur le directeur, je veux faire la réunion infirmerie, s'il vous plaît, je l'ai toujours pas faite. Putain, je vais même pas aller au Japon. Bah, vous y allez avec le professeur SVT qui vous accompagne, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas pu avoir personne pour les fouilles. Ah non, on l'a pas fait. Non, on l'a juste vraiment pas fait, monsieur le directeur. Elle est bleue, mettez-moi en ligne, s'il vous plaît. À chaque fois, il y avait l'incendie. Non, elle, par contre, elle l'a fait. Elle l'a fait, je balance. Vous comprenez pas eux-mêmes, de toute façon. Allez voir le professeur SVT, s'il vous plaît, pour le prévenir qu'elle conseille. Et qu'il peut laisser les élèves seuls. Carré, madame. Attendez, elle finit sa visite. Aïe, putain. Vous parlez de... Excuse-moi Kirby, mais... On se voit pas trop en vrai. J'ai vu ta tête comme ça, ça m'a, tu vois. Ouais, man. C'est bon, Aziz? Ouais, c'est bon, j'ai tout mangé. Putain. Okay, ce soir, on fait toujours le bail. Bien sûr. Ok, carré. T'as changé, j'espère que Nova n'a pas changé d'avis, c'est tout. Non, bah ouais, mais moi, je lui ai pas parlé depuis qu'on s'embrouille, hein. Bah, j'espère qu'elle va respecter. Ok. Alors on m'a dit que... Allez, évacuation là, tout le monde dehors. Tout le monde dehors à la fouille. On attend. Les surveillants attendent, tout le monde, allez. Hop, pas de course. Mais on a allez, pas dehors, fait... dehors, je peux plus voir personne dans l'école. On n'a pas fait notre visite, monsieur le directeur. On va jamais la faire, notre visite. On va jamais la faire. On va jamais la faire, mais c'est important ou pas la visite ? L'infirmière va venir vous faire des visites directement dans vos salles de dortoir. C'est carré. Vas-y, carré. Eh, attends, je suis Keblo par contre. Voilà. Dernier arrivé pour le mouillé. Non. Dernier arrivé, sa mère, c'est la grosse pute. Ah, c'est rien, c'est quelqu'un qui veut tuer Bobby. Pourquoi il y a un chat dans ta chambre ? Un chat ? Bah ouais. Où ça ? T'entends pas ? J'ai vu un chat, mais bon, c'est bizarre. Ok. Vous allez bien ? Ouais, je vais bien. Vous avez l'air de pas... Ouais, si, je vais bien. Vous cherchez quoi ? T'inquiète. On fouille, tu vois bien. Ah ouais, par contre, ouais. Eh, moi, je suis dans la chambre de Kefta, si ça pue, voilà, hein, t'as vu. Ok, tout s'explique. Eh, l'historique, c'est pas moi non plus, hein, c'est Kefta, hein. Ah, c'est pas toi, ok. Non, tranquille, hein. Je t'avouerais que là, ça me choque un petit peu, hein. Non, ça, faut pas... Mais faut pas lire à voix haute. Ouais, oui. Les murs ont des oreilles, hein. Ça, c'est Kefta, hein, c'est tout. BBW, tout ça. Oui, je comprends. Oh, Bobby. Tu avais des choses à cacher, Khardai. T'es au courant de... Viens. Non. Tu sais alors qui veut te faire ? Mais je ne sais pas, frère. Non, c'est bizarre, en plus personne a l'air chelou avec moi là. Attends, mais justement, c'est ça en fait. Les gens qui ont été chelous avec toi et qui le sont plus, c'est eux qu'il faut se méfier. Tu vois ? Mais moi, celui qui est le plus chelou avec moi, tu sais, je vais te dire c'est qui ? Vas-y. C'est Amit Sefio, mais il est pas là aujourd'hui. Il est pas là. Et tu penses que ça va te tomber dessus ou pas ? Dis la vérité. Je sais pas, frère. Non, après, le plus chelou, c'est. En vrai, c'est les rouges là. T'es d'homme, ils sont chelous, mais ils sont chelous avec tout le monde. Attends, est-ce que t'es encore. T'es encore en relation avec Nova ? Ah, ouais, pourquoi ? T'es sûr ? Pourquoi ? Et t'as dit quoi la dernière fois ? Bah, elle m'a posé des questions parce qu'elle m'a dit Hé, justement, toi, arrête de dire des dingueries à Nova. Quoi ? J'ai dit quoi ? Gros, arrête de lui dire des dingueries. J'ai dit quoi ? Attends, mais j'ai dit quoi ? Elle a dit, il y a plein de bleus, ils lui disent des conneries sur moi. Mais moi, j'ai rien dit, moi. Comment attends, ça t'as rien dit ? Attends, Nova, elle t'a vraiment dit ça ? Ouais, elle m'a dit, il y a des bleus, ils lui font croire que je parle à d'autres meufs et tout. Waouh, je suis choqué de fou là. Mais pourquoi tu te fous de ma gueule ? Non, réel, je suis choqué. Non, par contre, là, vraiment, je suis choqué de fou. Elle t'a vraiment dit ça ? Vas-y, ok, d'accord. Tu sais quoi, je te fais confiance. Vas-y, on va dire ça, il n'y a pas de galère. Fais ta vie avec Nova, moi, je m'en bats les couilles maintenant d'elle. Mais je suis choqué de fou. Ok, vas-y, ça roule. Vas-y, bah bon courage. Mais tu kiffes Nova ? Mais non, mais moi je m'en bats les couilles d'elle. Mais c'est moi ce qui me choque, c'est ce qu'elle t'a dit. Mais pourquoi ça te choque ? Mais pourquoi elle t'a dit ça ? T'arrêtes pas de lui casser les couilles. Mais à quel sujet ? Mais comment ça, à quel sujet ? Tu sais très bien, pourquoi tu fais les Non, bah non, je sais pas, vas-y dis. Mais j'en sais rien, gros. Bah alors ? Tu lui casses les couilles tout le temps. Écoute-moi bien. Et là, celui avec qui j'ai le plus de problèmes dans cette école, c'est toi, frérot.
Mais pourquoi t'as un double comportement comme ça? Pourquoi des fois t'es intelligent et des fois t'es un gros bâtard? Mettez-vous contre le mur, s'il vous plaît. Oh putain, vas-y. Il y a les flics et tout, carrément. Ouais, on passe sur un 10-41 tout secteur. Attendez, je vais faire une petite... Y'a pas un message qui vous choque, là, madame la surveillante? Non, on s'en fout. Si, mais apparemment, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est juste que Bobby va se faire soulever et puis voilà, basta, on aura bien rigolé. Pourquoi tu t'allonges? Ouais, okay. Parce que c'est Bobby. Et, il y avait quoi sur vous? J'ai pas envie de vous fouiller en vrai. Ah vas-y, tu sais quoi, tu veux que je te dise la vérité? Et j'ai rien. J'ai 3 kilos de cannabis, 2 quoi paquets de clopes et un couteau. Mais toi t'es un peu trop honnête, t'as un couteau toi? Mais non, mais putain, il y a vraiment quelqu'un qui y croit là, ces conneries là. Non, j'y crois de ouf. Mais vas-y. Ah, mais j'y ai cru. Je sais qu'il y a du cannabis qui circule, voilà, je vous dis la vérité, je le sais. Donc dis-moi où tu l'as. Mais bien sûr que. Mais c'est normal, c'est les profs, ils nous font cultiver du cannabis. Quoi? Non mais. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire un skate. Eh hey, oh, Valérie Damido, calme-toi au lieu de refaire la déco là. Eh hey, arrêtez de non, faire mais... des. Eh hey, vous savez. J'ai jamais été en cours avec vous, moi je suis pas au courant. Mais vous voyez bien que ce. Y a... Oh. On est en train de discuter alors qu'il y a écrit on aura ta peau ce soir en rouge. Et là vous faites les étonner. Réel. On est plus étonnés du cannabis. Bah oui, c'est un truc écoutez, de fou. Écoutez, j'ai une journée. Oh, y a Bobby qui va pas passer la nuit et là vous faites les étonner pour 3 kilos de cannabis. Non mais sérieux ouais, écoute oui c'est vrai qu'on a un problème peut-être plus important. Bah oui c'est un truc de c'est fou. C'est très pertinent mais les 3 kilos de cannabis c'est quand même aussi important tu vois. Mais c'est rien ouais. Ça va vite 1 kilo plus 1 kilo. Mais t'as 3 kilos de cannabis toi? Alors. Ah pop Ganesh allez mettez-vous devant le mur on fouille. Non ça y est on a été fouillé on a été fouillé Ganesh. Il avait 3 kilos de cannabis sur lui. Arrête toi. Allez Jordan tu te mets contre le mur Jordan on y va. Arrête toi. Faut le pousser combien de fois bâtard. Tiens, ta gueule. Arrête-toi. Tiens, non, mais je veux que Bobby, moi. Attends, je vais vous taper, stop. Arrête. Eh, tape pas la surveillante, ta vie. Arrête de taper. Kefta, c'est Ganesh. Bobby, bâtard. Tu fais quoi, Jordan? Je veux juste taper Bobby. Non, tu arrêtes. Ok, allez, c'est bon, Jordan, rapport d'élève. Non, vas-y, non, je rigole. Non, par contre, arrête. Rapport d'élève. Non, Ganesh. Jordan, t'abuses. Terminé, Jordan, c'est bon. Rapport d'élève. Classe bleue, c'est noté. Non, je sens ta voix que t'es énervé, mais. Non, Jordan, je te jure, t'abuses. Non, Kefta, je t'en supplie, t'as le nom de. Va-t'en. Jordan, il a fait la fouille dans notre chambre, t'étais pas là, Jordan. Mais si, j'étais là, putain, c'est pas. Non, t'étais pas là. Un pas vrai, Ganesh, il était pas là, Jordan. T'as 3 secondes pour mettre devant. Ganesh, s'il te plaît. On y va. Ganesh, oh, il y a un lève mec. Il y a un lève mec. Y a... Oui, bah ok. Mais il y a un mec qui veut tuer Bobby, hein, cousin. Ça choque personne. Eh, fouille pas là. Pourquoi tu utilises ça comme excuse pour pas te faire fouiller, toi? Il y a toi, il y a une seconde où tu fermes ta gueule dans la journée. Et toi, t'as pas l'impression de trop parler? Tu retournes en chambre, Jordan. Je veux plus te voir. Allez, Jordan, viens dans notre chambre, Jordan. Dans allez, la 2. Bobby, s'il te plaît. Allez, Jordan, tu vas dans la chambre, s'il te plaît. Kefta, oh tu t'es fait opérer des dents de sagesse ou quoi? Tu zozotes là? Comment ça, je... Jordan, viens voir, s'il te plaît. Oh putain. Jordan, va là. Voilà, je vais encore me faire engueuler. Ah, il a un rendez-vous. Non, je vais pas t'engueuler, moi. La question que je vais te poser, faut que tu sois honnête avec. Ouais, dis-moi. C'est quel prof qui t'a donné toutes ces drogues là? Mais non, mais j'ai ils vous font cultiver du cannabis en vrai de vrai, t'es sérieux? Bah, bien sûr. Comment tu peux le prouver? Bah, tu sais quoi, on en parle dès qu'on a un petit peu plus de temps, tu vois. Parce que moi, tu trouves une preuve? Non, moi, mais j'aurais. Vous pouvez parler là, hein. Moi, ça me dérange. Non, Kefta, tu. Je t'en supplie, mets-toi en pyjama, Kefta. Pourquoi? Parce que t'es beaucoup plus beau en pyjama. T'es raciste? Quoi? Il faut... oui, c'est... Attends, mais comment ça, mon ref? Mais c'est super raciste, c'est comment ça, de tu fou. Es plus beau? Mais comment ça, raccourci? Vous êtes cru dans Mario Kart ou quoi, bande de fous? Mais c'est toi que je t'ai cru, raciste pyjama, excuse-moi le rapport. Bah oui, ça veut dire quoi? C'est dire que nous, les Arabes, on est plus beaux en pyjama, c'est ça? Bah oui, ça veut dire. Mais je savais même pas que t'étais arabe! Ah bah oui, mais c'est... ça par contre c'est super raciste, Jordan. Mais non! Déçois, Jordan. Mais Jordan, on avait noué une amitié... Mais on l'a toujours noué, Kefta! Non, on l'a plus, on Kefta, l'a plus. Kefta, si on l'a, on l'a. Eh, hey, t'as déjà perdu Hélène, tu vas pas me perdre moi! Elena. Ouais, je me suis même pas son prénom tellement je m'en bats les couilles. Mais tu l'as perdu, tu vas pas me perdre moi! Attends, y'a Kaina, elle va sauter demain, elle a dit. Et ce soir, elle est plus là, elle a dit. Ouais, il va me tège. Mais pourquoi tu veux pourquoi tu veux tège? Parce que vous voyez les vos profs là, les drogués là. Ouais. Bah, ils m'ont tendu un piège, ces petits connards. Ils ont fait quoi? Eh, ils m'ont dit viens te détendre, viens fumer. Je me suis dit vas-y, je me joue stressante et tout. C'est pas, je vois quoi, il y a le proviseur, il arrive derrière moi. Il m'engueule, il me dit t'es viré à cause d'eux. Non, attends, c'est mort. Faut absolument que je trouve une solution pour pas me faire virer, c'est pour ça que je veux les moi, faire fumer. Moi j'ai une solution. Vas-y, on a une solution et Kefta, on t'écoute.
Je connais des professeurs armés qui m'ont menacé. Je peux témoigner. Quoi? Attends, quoi? Mais qui t'a menacé, toi? Des professeurs. Mais est-ce que c'est deux professeurs par hasard? Juste par hasard, hein, parce que c'est des... Attends, armé. Ça peut être eux. Attends, mais quand tu dis armé, tu dis... C'est quoi des... Armé de couteaux. Et je vous parle d'un couteau de chasse, pas un couteau de cuisine. Un couteau avec un égorge des moutons. Genre un couteau comme ça. La raison pourquoi ils t'ont menacé? Parce que il a dit l'arabe, je lui ai dit arrêtez de dire l'arabe, c'est pas bien. Il a dit, toi viens ici, après il voulait me planter. Attends, ça s'est passé quand ça? Mais tout ce qui se passe, c'est quoi ces profs de fou? Ça se voit, ils coûtent pas cher ces profs. Et c'est... Non mais c'est qui les profs? C'est les deux qui vendent de la drogue? Tu te sens qui? Bien sûr ça. Oh putain de merde. Ils vendent de la drogue et en plus de ça, ils vont aux enfants cultivés. Et en plus de ça, ils menacent les élèves avec des couteaux, mais ils viennent d'où? Ouais, c'est ça. Moi, on veut me virer parce que j'ai fumé une clope? Mais attends, qui veut te virer, le proviseur? Mais oui, le proviseur à cause mais de... Mais non, il va pas te virer. Non, c'est impossible. Si, il était très explicite. Tu es viré, Kaina, à la fin de journée. Adios, amigos, hasta luego, salem, tout ce que tu veux. Ça fait beaucoup de langues pour un ivrogne. Ouais, ouais. Même dit schlibidisch, mais je pense que ça veut dire au revoir. Ouais. Du coup, je suis dans la merde. Ouais, j'avoue. Bah, s'il avait pas parlé allemand, j'avoue, t'aurais pu t'en sortir. Mais ouais, là, c'est vrai que c'est l'allemand qui m'a. Ouais. Du coup, si t'es viré, tu peux nous passer les clés du dortoir pour le soir? Tu veux les clés du dortoir? Bah oui, pour qu'on se barre la nuit, ils aiment trop nous enfermer. Eh, moi, si je suis viré, je vous donne tout ce que vous. Attends, c'est sûr et certain. Attends, on peut. Les clés du dortoir, franchement, attends. Au-dessus, tu les appelles. Eh, il faut qu'on se parle en quinconce. Ok, en cascade, ça veut dire. Voilà. C'est quoi un quinconce? Ça veut dire... Tu vois, le soleil, il est beau, non? Ouais. Ben voilà. Va voir le soleil. Ah, t'as même, vous parlez en... La tête d'homme, c'est ma chambre. Vous bougez d'ici. Non, c'est notre chambre, déjà, Kefta. D'accord. C'est trop les mecs mystérieux, genre en quinconce. Bah, va parler là-bas, alors. Moi, je bouge pas. Non, bah en vrai, vous avez des preuves de ce que vous avancez, là? Vous avez des graines, je sais pas, n'importe quoi. Va parler en quinconce, Jordan, il fait le mystérieux. Vas-y. Mais non, mais c'était une blague. Ah, c'était une blague, arrête de parler. Ouais, d'accord. Moi, je lui dis des dingueries, il fait le mec mystérieux avec moi. Bah, bouge, non, mais mec mystérieux, déjà, calme-toi, retire ces chamallows que t'as au fond de la bouche. Et ensuite, écoute-moi 5 minutes. Y a pas d'homme mystère. Moi, je t'aime bien, je te l'ai dit. Je vais te donner quelque chose et on va négocier Kefta avec la surveillante. Parce qu'on va lui donner la preuve pour qu'elle sorte de l'affaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Dites-moi. Si on t'apporte la preuve, je te promets, je l'ai. Si on te l'apporte, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Dis la vérité. Bah dis-moi. Si c'est possible. Non, mais t'as quoi de possible dans les possibilités? Ah, moi, je suis une surveillante, je suis partout. Ok, t'as les clés, on est d'accord. Bien sûr. Ok, bah, tu sais quoi? Tu t'es viré quand, officiellement, entre guillemets? Bah, officiellement, ce soir, normalement, je suis viré. Mais si j'apporte la preuve du contraire, peut-être que je le suis pas, tu vois. Putain. Vas-y, je vais réfléchir avec Kefta. Tu peux me laisser quelques minutes et tu reviens. Tu fais genre un tour des chambres et tu reviens. Vas-y, à tout à l'heure. T'es au courant ou pas pour ce qui va se passer ce soir avec Aziz? Non, il va se passer quoi? Il est où, Aziz, là? Je sais pas, il est où. On fait quoi? Est-ce qu'on négocie la preuve et on a les clés du passe-partout? Vas-y, faut qu'on trouve Aziz, Kefta. Mais il va se passer quoi, Aziz? Dis-moi, explique-moi. Mais rien, apparemment, Bobby, c'est pas celui qu'on croit. Explique-moi. Je sais pas, j'en sais pas plus. Apparemment, Bobby, c'est pas celui qu'on croit. Donc on va le choper. Attends, mais t'es bizarre. Attends. On va le choper et interrogatoire, tu vois. Voilà, bah pourquoi tu ne le dis pas clairement? Parce que la porte, elle s'ouvre aléatoirement. Mais non. Et du coup, tu veux choper Bobby? Bah, on va devoir, ouais. Pourquoi tu prends pas des cagoules? Parce qu'on en a pas. Mais tu vas voir les profs de weed? Ils en ont. T'en as ou pas, toi? T'en as ou pas? Non, moi, j'en ai pas. Si tu fais ça comme ça, après, t'es dans la merde. Faut qu'on trouve Aziz. Faut qu'on trouve Aziz. Écoute-moi, ils vont clairement dire c'est toi, t'as menacé. Je sais. Merci, Kefta. Putain, il est où, Aziz? Attends, y'a plus personne ou quoi? Rien. Nova. Ah, ça, c'est juste que c'est pour que tu devais dire à vrai. Viens voir, s'il te plaît. Ouais, j'ai juste fait un petit rituel. Eh, il est où, Aziz? Il doit être avec vous, non? Il est pas avec vous? Parce qu'il est pas en bas, il est en haut. Il est sorti? Elle est où, sa meuf? Elle était en bas avec nous. Elle est où, Kirby, elle est où? Elle était pas là? Elle est avec moi, Kirby, aussi. On achète des meufs ensemble. Vas-y, viens. Bah, vas-y, je te suis. Emmène-moi, Kirby. Prochaine fille, mettez-vous devant. Ah, Kirby, viens. Ok, parfait. Vas-y. Mais qu'est-ce qu'elle branle? Putain. Elle est désorientée. Kirby? Qu'est-ce que tu branles? Ouais, voilà, c'est bon, rien. Vas-y. Mais qu'est-ce que vous branlez là? Mais tu peux pas faire mon caca tranquille? Qu'est-ce que tu foutais? Là, t'es trop moche, beaucoup plus fraîche que toi, ferme ta gueule. Mais parle au lieu de rigoler, courir comme une débile.
Attends, elle nous suit ou pas? Non, personne nous suit, dis-moi. Dis-moi, Suzy. Ouais. Ah, elle cache un boîtier de piratage, je lui dis t'inquiète, je me suis fait fouiller, passe-le moi. Et là, tu l'as là? Oui, man. Ok, il est où Aziz? Je sais pas, man. Et ben, tu sais quoi? Viens, viens, on sort. On sort, on sort. Viens, on sort, viens, viens. Madame, madame. Au lieu de. Et faites-nous sortir. On peut sortir là? Discret. Viens, viens, on peut sortir. Fermé là. Chut, chut. Comment ça? Faut attendre que Ganesh il ait fini les fouilles. Non, mais, hé, fais-moi sortir. Ouais, dis-moi. Il nous a déjà fouillé. Fais-nous sortir. J'ai pas les clés. J'ai pas les clés, je peux pas, c'est Ganesh qui les a. Tu sers à rien à part danser. Non, mais énervé, je peux pas sortir, personne n'a fait. Attends, et tu peux partir avec ton haleine, bâtard. Ouais, vas-y. Un truc de fou. Il est relou. Et il me casse la tête. Le poster il est en train de fondre, vas-y. Comment tu peux pas nous faire sortir là? Non, non, j'ai pas les clés, sinon je l'aurais fait, je te jure. C'est Ganesh, en fait, Ganesh il ferme ma clé à double tour, je peux pas ouvrir derrière lui. Est-ce qu'il va y avoir une opportunité là? Oh, Jordan, viens voir, il est là, bon, il est là. Ouais, il y a moyen, ouais, ouais. Ok. Hop là. Oh, Aziz. Mais qu'est-ce qui branle l'autre? Qu'est-ce qui branle l'autre là? Ouais, moi aussi, je le vois. Mais, il est exorciste, il est possédé là, le bordel. Qui ça? Mais Brandon. Aziz, Aziz, ça te tente pas là de faire un bail? Par exemple? Non, mais tu rigoles ou quoi? C'est quoi? Non mais là, ça te tombe pas, on fasse un bail? Un bail écoute de quoi? Ce qui était prévu. Bah ouais, ouais, on va y aller, ouais. Je finis de Non mais attends, tu joues aux dames? Ouais. C'est quoi le problème de jouer aux dames? Y'a aucun problème, Brandon, je te jure, y'a aucun problème. Et c'est qui gagne? Oh, je sais pas, c'est égalité là pour l'instant. C'est égalité. Faut y aller maintenant? Bah, c'est notre occasion là, y'a quasi personne dans le dortoir, ils sont tous barrés. Non mais c'est dans la bibliothèque, il faut le ramener. Ouais. Oui, mais dans la bibliothèque, il faut qu'elle le bloque là-bas. Il faut qu'on se barre, les gars. Il est fermé, les gars. Oui, mais tout le monde s'est barré, les gars. Faut qu'on se barre. Ils sont barrés où? Des dortoirs? Bah oui. Mais non, personne s'est barré. Oui. Mais si. Ils veulent m'agresser, Chantal. Ils m'agressent. Ils m'agressent, bordel. Ils m'agressent. Espèce de voleuse. Attends, arrête. Je voler, je pensais que t'étais une meuf bien. Attends, et c'est quoi l'histoire là? C'est quoi l'histoire là? Rends-moi l'objet, rends-moi l'objet. C'est quoi l'objet? C'est quoi l'objet? Comment t'as eu ce boîtier de piratage? C'est quoi l'objet? C'est quoi l'objet? Oh conne, la vie de ma mère. Tu veux? Dis-moi comment t'as eu ça. C'est simple. Oh, pardon. Aïe. Aïe. Alors tu lui donnes. Vas-y, récupère, man. Eh, je l'ai pas, man. T'es niqué. T'es niqué, man. Aïe. C'est lui qui l'a. Mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Je le fouille, je le Mais fouille. J'ai rien, bâtard. Eh, fouille-moi, je te baise. Eh, man, on en discutera, t'inquiète pas. Non, t'es mort. Là, tu sais même pas. Eh, lâche. Eh, hey, c'est quoi l'embrouille? Arrête-toi! Arrête-toi! Tu sais même. Arrête! Comment tu te relèves, toi? T'es complètement pas défoncé! Arrête-toi! Ah, il nous frappe! Il nous frappe! Tu sais pas à qui il appartient! Toi, t'as la magie médicale au lieu de te battre là! Ouais, c'est vrai ça, ouais, putain, vas-y, viens! Bah oui, elle est devant en cours, dépêche-toi! Bah viens, viens! T'as entendu, man? Bah non, c'est ma chérie! Ouais, j'ai entendu. Ah bah oui, putain! Je suis dans une fosse, ouais! J'ai trouvé ça, j'ai trouvé! Y'a quoi là-bas là? Et on entend des bails. Tu sais pas à qui tu l'as pris, t'es mort, fils de chien. T'es mort. Écoute-moi bien, fils de chien. Là, je te parle tranquille. Qui t'a frappé? Qui t'a frappé? C'est Kirby, elle nous a volé. Comment tu vider mon sac? Je viens de vider mon sac, j'ai dit les 4 vérités au proviseur. Oh, ça se fait du bien. Oh là là, je suis dit. Non, mais c'est le concierge, fallait pas. Mais fallait pas. Vous lui avez dit enfin. Mais fallait pas. Il y avait un conseil de discipline de Amine et de. Mais non. Du coup, il vous a dit quoi? Nova. Et il se passe quoi là? Tout le monde court, alors je cours. Attends, viens. Faut que je te dise tous les plans que j'ai mis en place là. Ouais, fais vite, vas-y. Y'a du monde? Ouais, non, y'a personne, clair, concis, vas-y, cours. Pendant les fouilles, ouais. J'ai appris que Suzy elle avait un truc lourd sur elle, donc j'ai mis une manigance pour les récupérer. Ouais, et je sais, c'est Kirby qui l'a pris et qui te l'a passé. C'est ça. Ok, c'est un boîtier de piratage, c'est ça? Exactement, et okay. Il est dans mon casier. Parfait, je le savais. Quoi d'autre? Et y a pas que ça. Tu sais que durant la plongée, j'ai trouvé une pépite d'or. Faut en parler à absolument personne, apparemment. Pourquoi? J'ai été faire un rendez-vous avec le prof d'histoire quand j'ai disparu. Et quand j'ai fait mon rendez-vous avec le prof d'histoire... comment te dire, qui m'a dit que c'était extrêmement précieux et j'ai essayé de voir avec lui contre quoi je pouvais l'échanger. J'ai potentiellement réussi à négocier un couteau. Mais du coup,
Ça, c'est ma négociation numéro 1. Maintenant, il faut que je trouve Jeff, là, je le cherche. Pour voir si avec lui, je peux pas avoir encore plus gros. Hé, hey, il nous faut des cagoules. Il nous faut des cagoules. Ok. Si on a des cagoules, et je sais qu'il peut en fournir. Qui? Le professeur de weed, là. Il est où, Aziz? Il est au truc médical. Attends, regarde où il court, lui. Viens, 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 viens. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Brandon, ce bâtard, il est complice avec le concierge. Ah ouais? Tu l'avais ouais, fait quoi? Ouais, ouais, il est rentré dans la pièce bleue, là. Ce bâtard de Brandon, ouais. je l'ai vu rentrer dedans, ce bâtard. Et Aziz, il est où? Je sais pas. Brandon, c'est un mytho. Il sait beaucoup plus de choses que ce qu'on croit. Ok, donc il nous la faut à l'envers. Et c'est ce que je me tue à vous dire depuis la cantine. C'est pour ça qu'on s'est tous embrouillés. Mais moi, je lui ai rien dit à Brandon, hein. Ouais, mais quand je dis à Kirby, fermez-la, arrêtez de trop en dire à cette l'autre tête de chou-fleur, vous préférez me faire la gueule à moi plutôt qu'écouter. Ah, mais moi, je faisais la gueule à personne, hein. Non, mais là, on a un autre problème, viens. Eh, on va les attendre ici, on essaye de les prendre au flagrant. Faut que je te dise un truc, là, Aziz, il m'a demandé un truc. Quoi? Il sait aussi plus de choses qu'il veut nous le dire, et quand je lui demande, il me dit que je vais aller trop vite. Il t'a demandé quoi? Il veut que je shotte Bobby dans la bibliothèque en plein milieu pour le menotter. Mais pourquoi? Et quand je lui demande pourquoi il veut que je fasse ça, il veut que je mette dans le feu quelqu'un que j'apprécie sans me dire pourquoi. Chuchote, hein, chuchote. Écoute, on va attendre là tranquille, ouais. Au calme, d'accord? Ouais. En attendant là, cette histoire là, fais confiance aux bonnes personnes. C'est tout ce que j'ai à te dire, Nova. Donc toi et Kirby, c'est tout? Je sais même plus quoi penser, c'est un truc de fou. Un coup vous me faites la gueule, un coup vous dites n'importe quoi à Brandon et tout, je sais même plus qui. Mais tu sais que nous on a toujours été pareil vis-à-vis de toi, on a parlé avec Kirby tout à l'heure. C'est quoi pareil vis-à-vis de toi? Ça veut dire quoi? Bah, c'est que pour nous, on est tous les trois. Nous, on se dit tout. Et les autres, bah, si on peut gratter des infos, on gratte. Chuchote là. Ouais. Bah alors? Brandon! J'ai pas le temps. Vas-y, tu sors d'où là? Eh, tu sors d'où là, Brandon? Eh, arrête-toi 5 minutes là! Arrête-toi! Tu sors d'où là? Tu sors d'où? C'est la salle du concierge. Et pourquoi t'y étais? J'ai enfin fini! T'étais en train d'aider à nettoyer? Eh hey, les gars, arrêtez, lâchez-la. Vous m'avez manqué, vous deux. Lâchez-la. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Bobby? On discute. Ça y est, tu veux discuter, man? Enfin. Eh, la vie de ma mère. Écoute-moi bien, la prochaine fois que tu me fais des menaces comme ça. Eh, menace pas, tu fais pas personne. Non, tu m'as fait des menaces, man. Tu m'as fait des menaces. Refais-moi encore des menaces. Moi, je t'explique, moi, je vais pas parler. Eh, Nova. C'est avec les bleus, là. Nova, c'est quoi? Moi, j'ai un problème aussi, là. Pourquoi? Pourquoi t'as dit à Bobby qu'on essaye de te le retourner contre toi? Mais j'ai pas dit ça, j'ai dit si. Bobby m'a dit, non. Ouais, Nova m'a dit, les bleus, ils ont parlé comme quoi ils disent que t'es pas une bonne personne, que t'essayes de choper plein de meufs et tout. Oh, j'ai pas dit ça. Nova, regarde la tête de Bobby. Laisse-moi en placer une. Mais tu vois bien qu'il ment pas, il a pas une tête de menteur. Oui, mais ça, j'ai pas dit ça pour vous faire plus tard. J'ai juste dit qu'il y avait plein de gens qui me disaient qu'il parlait à plein de meufs, qu'il se trompait. Et quand il m'a dit je peux pas dire des bleus, il m'a dit qu'il était en brèche avec vous. Mais il y a pas de fou, il y a même pas de la laine, il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Mais je peux pas, je vais pas. Bien, voilà, bien, ce que je t'ai expliqué, Jordan. Mais voilà, mais je suis pas arrivé en mode ouais, les Non, c'est pas ce qui a été dit. Je t'aime trop, mon bobino d'amour. Bah, tu sais quoi? Vois ton mec parce qu'il a bien dit ça, crois-moi. Vois avec lui maintenant. Vois avec ton mec maintenant, Nova, vas-y. Wesh, Aziz. Ouais, des fois, ça m'arrive de fumer. Ouais. J'ai vu un truc de fou, frère. C'est quoi? Alors, faudrait attendre la fin de la visite. Ouais, madame, je vais avoir besoin d'un petit pansement aussi. Vous êtes en train d'accoucher ou quoi, madame? Ah non, je n'accouche pas, non. Bah, je sais pas, quand vous écrivez, vous écartez les cuisses. Bon, je reviens. Je vous attends, madame. Hé, toi, c'est quoi l'embrouille, là? Pourquoi tu t'en prends à... Mais c'est trop important, ce qu'elle a pris. Elle a pris quoi? Parce que, frère, t'as voulu la tabasse. C'est normal, je la défends, non? C'est pas ça le problème. Elle a pris quoi? On lui a fait confiance, d'accord? Ouais. On lui a confié ça. Et si elle nous l'avait rendu, écoute-moi, sur la tête de ma mère, qu'on lui aurait tout expliqué. Mais elle a pris quoi? Elle a un boîtier. Un boîtier de hacking. Oui, un boîtier. Ça sert à quoi ça? Qu'est-ce qu'on a foutu? Ça permet d'ouvrir tous des coffres. Et on en a besoin. Mais le problème, c'est que comme elle a voulu faire l'opposition en le volant et en étant toute contente de le voler, eh ben, je vais rien lui dire. Elle va le garder, elle va pas savoir quoi en faire et elle va avoir des problèmes. C'est tout ce que j'ai à dire. Et toi, tu sais quoi en faire de ce boîtier? Oui, moi, je sais quoi en faire. Et ben, faut en faire quoi?
Bah, je lui dis pas, tant que je l'ai pas. Mais dans quel intérêt elle va te le donner si elle a pas d'intérêt derrière? Bien sûr. Bah, en fait, si elle me le donne, je la mets dans la boucle. Mais vu que là. Bah non, c'est nimp ce que tu racontes. Bah ouais, mon ref, là. Si ça marche comme ça. Moi je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Tu t'es juste fait baiser, mon ref. Maintenant, tu dois trouver une monnaie d'échange. Bah, faut trouver une. Et bah, prends-en toi ta pote alors. Non, c'est pas grave. Eh, Kefta, dis-lui, Kefta. Grand bien vous fasse. Mais non, mais en fait, grand bien vous fasse. Aziz, attends-moi, ouais, je t'en supplie. Vas-y. Force à vous. Vas-y, je suis là. Madame ! Oui ? Eh, faut que je fasse ma visite, je vous en supplie, là. En effet, oui. Je voulais mettez un soutien-gorge pour les prochaines fois, parce que j'en peux. J'ai déjà un soutien-gorge. Non, c'est pas pour la fois. Ah, si, si, si. Et pourquoi vous avez toujours les doigts écartés comme ça ? Je sais pas, moi-même, c'est un petit. C'est un truc de fou. Bon, allez. Eh, vous pouvez me soigner en même temps ? N'oublie pas, docteur. What ? Et Ganesh, vous lui a fait de l'effet, c'est le coup de foudre, elle a disparu. Vous avez fait un effet de fou. Ouais, je me demande. La... Coup de foudre. Bon, vous vouliez lui dire quoi? Je lui répéterai. Qu'elle me fasse le récap de toutes les personnes qu'elle a vues, s'il te plaît, Jordan. Vas-y, c'est carré. Merci. Vous me faites pas confiance, Ganesh? Si, c'est bon, c'est bon. Aziz, j'arrive. Hein. Ouais, je t'attends. Vous me dites quand je peux réouvrir mes yeux, hein. Hâte de voir le jour. Je laisse fermer les yeux un petit peu. Ouais, c'est carré. Ça va ou quoi? Non, ça va pas. Ouais. Quand est-ce que tu as fini? Bah, je sais pas, demander. Quand les problèmes seront réglés. Fermez les yeux, Tahiti Bob. Monsieur le Panther, vous avez... les mains en évidence tout de suite, venez avec moi, s'il vous plaît. C'est bon, je peux ouvrir les yeux, madame? Oui, vous pouvez. Ouais, c'est bon. Ouais, y'a quoi? Il va bientôt finir? Bah, je sais pas comment, j'ai pas. J'aimerais commencer déjà. Ok. Ah, oui, bah, je vais pas mytho. Maintenant, y'a deux pointeurs, du coup. Ouais, c'est. Putain, c'est fou. Eh, vous pouvez me soigner en même temps, madame? Je vais essayer. Alors, du coup, déjà. J'en étais où? Bah, on en était au bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi. Ah, il y a Ganesh, il m'a dit, il va falloir que vous lui fassiez un briefing de tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Oui, j'ai la liste, donc c'est parfait. Vous êtes sûr que vous allez bien? Oui, tout à fait. Alors, je vous laisse ouvrir la bouche, tirer la langue et faire Ah. Ah, oh non, j'aime pas, faut pas mettre des trucs au fond de ma bouche. non, je suis très sensible, je vomis. C'est non négociable. Attends, c'est quoi, c'est le bâtonnet de bois, là? Non, je peux pas, je vomis dès qu'on met un truc dans la bouche. Bon, bah, au moins... Vous ouvrez la bouche en grand. Ouais, et ah, vous faites ah. Ah, t'as vu, j'ai pas de carie, c'est carré. Ah. Ok. Ah. Ok, très bien. Encore? Vous avez des douleurs particulières? Je ne sais pas. Ah, j'ai mal aux yeux, hein, avec tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Je vais pas mytho, hein. D'accord. J'ai la pupille, elle est dilatée de vous, hein. D'accord, très bien. Ça va aller. Mais oui, ça va aller. Petite nuit de sommeil, t'as vu? Oui, voilà, une bonne nuit de sommeil. Est-ce que vous fumez? Alors, pas de cigarettes. D'accord. Que de la nature, t'as vu? Est-ce que vous buvez? Non. D'accord. Oh, toi. Ah bah, je peux dire la même chose, toi et le concierge. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je dois faire ma visite médicale. Putain. Très bien. Je vous laisse me suivre. Parfait. Je vous laisse monter sur la balance qui est juste en face de moi. Parfait. Ok. Vous pouvez me donner votre nom, prénom, s'il vous plaît? Jordan Birkins. Quitte à monter sur la balance, je pouvais juste monter sur Brandon. C'est pas très gentil. Votre âge? J'ai 17 ans. Eh bien, vous êtes apte à partir au Japon. Bravo, félicitations. Je vais partir? Mm-hmm. J'ai toujours rêvé d'aller au Japon. Eh bien, t'es parfait comme ça. Oh là là, vas-y, c'est incroyable. Bah, vas-y, merci, hein, Cimer. Hein. Mais de rien. Bah, bonne chance avec Brandon. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, reposez-vous bien, vous en avez besoin. Moi aussi.